Le stress, comment se détendre? Cette question est souvent posée. Lorsque nous sommes stressés, nous ressentons le besoin de nous détendre, psychiquement, mais aussi physiquement. Le corps nous alerte, le corps se tend. Par exemple, quand on a envie de fuir, on sent tout le sang tomber dans les pieds pour fuir. C'est biologique. Quand on a le stress, le corps va nous alerter sur des sensations désagréables, des tensions dans les épaules. C'est pour ça qu'on dit, il faut que je me détende. Détends-toi. Mais ce n'est pas parce que je dis détends-toi que je vais me détendre. Se détendre, plus je veux me détendre, plus je me crispe. Parce qu'en fait, la source du stress est toujours là. Alors aujourd'hui, on vit une période magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques qui permettent de commencer à détendre. La sophrologie, la méditation, le yoga, des promenades dans la nature. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dans le développement personnel, le bien-être, se mettre dans de l'eau chaude. Tout ça, c'est génial. Mais est-ce que ça suffit de se détendre pour ne plus se retrouver dans le stress? Parce que la plupart du temps, on va passer un bon moment, on va se sentir mieux, ça va durer un petit peu, parfois juste après la séance, on va être mieux, puis ça va recommencer le lendemain, et ça va souvent recommencer quand on va retrouver la situation qui nous a mis dans le stress. Prenons l'exemple du patron. Je suis stressée quand j'arrive au travail et que je vois mon patron, ou ça peut être ma collègue ou mon collègue. Et donc, si je cherche seulement à me détendre, je vais me réactiver au niveau du stress quand je vais me retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, il est possible d'aller plus loin. Il est possible de désactiver à la source l'origine du problème. Et là, ça se fait dans l'instant, en moins de 2 minutes chrono. Et si je laisse mon corps non pas seulement se détendre, mais laisser la mémoire sensorielle aller à la source du problème, si je prends l'histoire de mon patron, quand je vais revenir le lendemain au travail, je n'aurai plus le ressenti de stress face à mon patron. Je vais vous raconter une histoire. J'ai accompagné un monsieur qui avait la phobie des supermarchés. Donc, je l'ai accompagné en séance accompagnée, justement. Mais là, ce que je propose, c'est de faire dans l'instant, moins de 2 minutes, parce que ça marche encore mieux. Donc, je l'avais accompagné, on avait fait 2 séances. C'est un monsieur qui avait des troubles psychiques. D'ailleurs, vous trouverez sa vidéo témoignage sur ma chaîne Cool Cannelle, dans les témoignages. Donc, on a fait 2 séances. La première, il a passé son temps à dire « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas ». Il était, ce monsieur, tellement stressé quand il allait au supermarché qu'il s'était trouvé hospitalisé en urgence. À la deuxième séance, on avait réussi à désactiver ce doute sur lequel il s'appuyait pour ne pas y arriver, on va dire. Et finalement, la deuxième séance a fonctionné. Et qu'est-ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé comment ça allait? Il m'a dit, ah, mais ça va très bien, je suis retournée au supermarché. Ils ont baissé toutes les étagères. Dans ma région, il y a 2 supermarchés où tout le monde va. Et il me dit, je suis allée à celui-là et à celui-là, et ils ont baissé toutes les étagères. Ils n'ont bien évidemment pas baissé les étagères au supermarché, mais il a eu un ressenti différent. Quand il est retourné au supermarché, il avait le ressenti que les étagères étaient plus basses. Comme je peux revenir à mon travail, parle à mon patron qui me stressait la veille et après avoir désactivé en moins de 2 minutes chrono le stress que j'avais face à mon patron, je vais plus du tout avoir la même perception et je vais le trouver peut-être pas charmant, mais je serai plus activée, je serai plus stressée. Et ça, c'est génial et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser comme moi et faire reset à la vie.